Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites et les aventures sur Mountain Blade Warband, mode 1429, 1429, Steel and Blood, etc. Oui, j'essaie de gagner du temps avant de me réattaquer aux Anglais. on est toujours sur la fin de game. Hein. Le problème, c'est que mon honneur... Oh, je me suis fait piquer. Ouais, je me suis fait piquer des territoires. Hein. Oh. Ah, ça va, 110 d'honneur, ça va encore. Mais bien pour l'instant. Je perds de l'honneur à cause de ce que je veux pas lucider mes prisonniers. Ah, 166 hommes. Allez, dès que j'arrive, ils sortent toutes leurs troupes. Je sais pas quoi faire. J'ai pas de soluce là, il m'attaque à 1000. Je vais voir s'il n'y a pas un prêtre ici. J'ai pu me soigner, j'avais une blessure à la jambe. Hop, maintenant il est guéri. Ouais, dites-moi plus, mais je m'en fous en fait. T'as plus rien à foutre que t'aies fait ton enfance à Montpellier, machin, et que t'étais bien, t'avais des amis, tu t'amusais, tout ça, la vie était belle, était douce. J'en ai rien à carrer. Au bout d'un moment, ils vont me faire maréchal quand même. Bon après, c'est pas parce que je serai maréchal que les gens voudront bien me suivre. Oh là là. Sérieux. Ok, ça va. Ils ont pris ma cavalerie en cible, je pensais pas qu'ils... Je pensais pas. C'est pas grave, hein. La cavalerie va tanker quelques secondes. Le temps que la flanquerie arrive. J'avance un petit peu ma ligne d'archer. Ah, j'arrive à rien. J'ai perdu une recrue française, c'est pas très grave. Bon, écoutez, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder les combats, hein. On va les organiser et les regarder, parce que... Je sais pas. Peut-être que je nettoie mes lunettes, ou j'en sais rien. Bon, c'est pas mal.
Bah après, si mes troupes sont aussi nulles que moi, on est dans la merde. Hein. Petite flèche dans les reins là, bien. Ouais, vive la France. Bon, ça nous fait au moins 4 seigneurs out. Ok, 4 seigneurs out et 3 capturés. Oh la vache. Cents contre 22, j'ai perdu un lancier, j'ai perdu... Non. Il va falloir y réfléchir avant de faire chier. Attends. Allez, je retourne en Angleterre. En Angleterre, en territoire anglais, on va dire. Oh. Ok. Ok. Sont beaucoup plus que nous. Mais... De toute façon, on va être très clair, hein. Ou j'arrive à faire des batailles comme ça, ou on laisse tomber, parce que j'ai l'impression qu'avec le nombre de troupes qu'ils ont en garnison, je pourrais passer des semaines et des semaines à tryhard. Le problème, c'est qu'on ne peut, je peux pas les asphyxier, en fait. Vous voyez, si je pouvais péter leur économie en brûlant leur village et tout, et qu'ils aient plus de quoi payer leurs troupes, ils auraient l'usure. Là, le problème, c'est que je défonce des vassaux, des chevaliers. Le machin, je les défonce et une heure après in-game, hein, même pas une vraie heure, une heure in-game, bah, les mecs, ils sont déjà de retour. Alors, avec des petites armées de 15, 20 soldats, d'accord. Mais quand même, ils sont là. Alors, il y a 30 vassaux, à 15, 20 soldats par vassal, bon. Bien compte que c'est pas possible. Donc là, on a eu la première vague, maintenant il y a des renforts. Enfin, à droite là-bas. J'ai avancé mes archers et normalement mon infanterie et ma cavalerie. Voilà, ils sont en train de faire demi-tour pour revenir sur le centre du champ de bataille. Ah
Ah, et ses archers longs anglais. Oh, quel cancer. Et je ravance encore un petit peu les archers. Ah merde! Genre t'es pas mort toi? 70 points de dégâts, il est pas mort. Bah. C'est pas mal. J'ai 10 morts. J'ai 10 morts. Avec un peu de chance, c'est des recrues, des trucs comme ça. Alors, on va commencer par les XP. Enfin, je sais pas trop. Alors, attends. Chevalier, bachelier, fantassin de France. Chevalier, sergent, lancier. Ça, c'est pas mal. Alors, combien j'ai d'archers? J'en ai deux ici. 1, 13, 15, 20. Ouais. C'est quoi, on va faire moitié-moitié. Le jaloux. -195, ça devrait aller. Je recule les soigneurs, bien sûr. Pour l'instant, je laisse tout le monde charger tranquille. On va trouver un endroit. C'est rare que les Anglais chargent comme ça du début du combat. Ouh. C'est volontaire, hein, j'occupe. Ah, j'arriverai pas à m'en sortir. Ah, je me suis trop concentré. Je voulais permettre à mes gars d'arriver, mais c'est beaucoup trop lent en fait. Si tout va bien, mes archers vont flanquer. Voilà, vous voyez. Mes archers sont vraiment sur le côté. C'est ce qui était prévu. Mais ils sont un peu trop près par contre. Ils font aucun kill là, les archers. Ah, pas aucun, mais c'est tout de même limité. Hein. Là, par contre, sur les fuyards, normalement, ça va défourailler. Bon, on va encore avoir tué 190 hommes, 190 anglais. Là, j'en suis à près de 400. Hein. Depuis le début de l'épisode, on a quasiment défoncé 400 anglais. Allez, shootez-moi tout ça, là. Shootez-moi tout ça avant qu'ils aient le temps de fuir. Pour la caméra, c'est pas évident avec ce mode. Il y a des modes où la caméra est facile, hein, on bouge à la souris et tout.
Il bute même les chevaux, quoi. Voilà, une fois de dos, ça va, mes archers, ils deviennent bons. Hein. Ok, c'est la victoire. Faut qu'on se débarrasse de quelques... Lui, faut qu'on l'attrape, lui. C'est le régent. Essayer d'assiéger le château. Je sais pas pourquoi je lui monte l'intelligence à lui, il est intelligent donc je monte l'intelligence mais... Pas trop dans quel but en fait. Tac tac tac, Florentin, compétence... Intelligence, comme ça on va lui monter sa puissance de... Et puis son bouclier tiens, mais je crois qu'il a pas bouclier. 47-14. Il est sérieux, lui? Ah, alors lui c'est déception parce que ça devait être un de mes vassaux et je suis plus seigneur donc ça sert plus à rien finalement. T'as pas de casque toi sérieux? 52-16. 22 c'est bien. C'est anglais mais bon. 4C c'est pas mal. Ah blanche, ma petite blanche. Ok, c'est bon. Il manque juste Hubert, mais Hubert il a besoin d'un niveau supplémentaire. L'étrier français, ok. La petite sauvegarde, j'ai pas envie de me faire défoncer toute l'armée. Pêche-toi! Eh ben c'est très bien, c'est très bien, c'est le régent qui m'attaque. Bon, si on arrive à capturer machin de Lancaster, c'est cool. Hein. Normalement, c'est comme si tu capturais le roi de France, quoi.
J'arrive pas à en toucher un tout à l'heure. Ça fait 30 coups que je mets dans le vide. Pour l'instant, on est plutôt bien. Ces archers sont faits au cac, donc normalement ça va être cool. Pas avancé, mais les archers ils sont beaucoup trop loin. Les archers anglais sont en train de fuir. Continuez à avancer les miens, l'archer. Voilà, un petit peu trop loin encore. Ok, bon, ils ont pas fait un pli. Ils se battent plus. Ouais. Au niveau du moral, ils ont pris cher en 2 secondes, là, je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi, je leur ai mis plein la bouche en très peu de temps. Mais bon, je trouve qu'ils ont fui très rapidement quand même aujourd'hui. On tue un maximum, hein, bien sûr. Alors pourquoi vouloir en tuer un maximum? J'ai envie de te dire, parce que... C'est fait. Allez, faut qu'on le capture. Bon, même si on le capture pas. Même si on le capturait pas, de toute façon, c'était cool. Ok. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr. Rejoignez-nous sur Facebook, Discord et Twitter. Des bisous. À demain.